frères, les sept familles royales se marient entre eux, cousins, oncles, sœurs, qui se marient entre eux. Il y a une relation de sang entre eux. Ça correspond à la couleur rouge. La couleur verte, c'est la couleur de la religion officielle du pays. C'est un pays musulman. La plupart des pays musulmans, ils ont couleur verte parce que la première... pourquoi la couleur verte? Parce que le premier drapeau s'élevé après l'annoncement de la nouvelle religion de l'islam, c'est la couleur verte. Et à partir de ce moment-là, il est devenu le symbole de la religion de l'islam. C'est pourquoi on trouve la plupart des mosquées ou bien des coupoles ou bien à l'intérieur, il y a toujours la couleur verte. La couleur blanche, c'est le système politique du pays, c'est neutre, totalement neutre. Et aussi la couleur noire, c'est le trésor noir, c'est l'or noir, c'est le pétrole. La communauté des commerçants, c'était des commerçants iraniens, puisque la distance entre l'Iran et Dubaï, c'est tout près. Oui. Donc c'était des Dhabis ici, 2 millions, presque la même chose que Dubaï. Après, il y a Sharjah avec 899 000 habitants. La population dans les Émirats arabes unis des 7 villes, c'est presque 7 millions, après les dernières statistiques en 2015.
voilà la raza. C'est quoi, rose, hibiscus, curcuma, cannelle, la salle. C'est pour sécher. Qu'est-ce que c'est? Yes, my friend, what's a Pashmina shawl, Kashmiri shawl? Il n'y a pas de SMIC ici aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de SMIC, c'est-à-dire il n'y a pas un salaire fixe. Le SMIC à payer aux employés. Alors, minimum à payer. Donc, tous les salaires sont négociables. Quelqu'un cherche du travail, il reçoit un. Après l'interview, il reçoit une offre. Voilà, on vous donne ton salaire. Voilà, à pas plus soit le logement, surtout la plupart des. Les employés qui travaillent dans les hôtels, dans les grandes usines, dans les grandes... Ce qui rend les salaires ici moins chers, c'est la main d'œuvre d'Asie, de l'Inde, de Pakistan. Il y a plus que 2,5 millions seulement des Indiens qui travaillent ici. Ils acceptent le travail avec n'importe quel salaire. Voilà. C'est ceux qui ont quelques années... c'était pas le cas comme ça, mais ces derniers, il y a des Européens, des Américains, du monde arabe, turc, toutes les nationalités, et chacun a son plan. Là, c'est pourquoi on voit un mélange de cultures ici, soit au niveau du plan architectural de la ville et l'IFA. Regardez le canal qui passe. 4 km jusqu'à Borges. Bateau de Borges arabe. Après, prenez des photos ici, la mosquée ici, une des mosquées de Jumeirah. Et après, on va passer devant la porte principale aussi de Borges. C'était
françaises aussi, des collèges canadiens, australiens, universités canadiennes aussi. Mais toujours reste le secteur privé, c'est un peu cher. Et de 321 mètres, 124 chambres, catégorie suite, aussi 16 étages, aussi 8 restaurants de différentes culinaires, et classé 7 étoiles hors série, un des plus chers hôtels dans le monde. Quelque chose de libre, c'est réservé seulement pour les résidents. C'est le même concept que l'hôtel de Bahamas, l'Atlantis de Bahamas. À peu près là où il y a les rochers. Parce que ici on est dans la mer. Ah oui. Oui, la terre de mer. À travers dans la ligne rouge de métro aérienne, vous voyez sur la droite. La deuxième ligne, c'est la ligne verte, c'est souterrain qui passe au milieu de Dubaï, l'ancienne ville de Dubaï, vers le creek de Dubaï.
Ça se mange aussi. Ça, là, ça se mange aussi. Ça, de toute façon, elle ne peut pas m'avoir, moi. Ouais. Ouais, anglaise aussi. Ah oui, il y a 31. D'accord. Pardon. Viande hachée enrobée là. C'est quoi viande hachée enrobée avec du riz.
Jaune pour leurs enfants, c'est plus pratique.